Good morning, allez, Iden le tutre aujourd'hui, le Nishmat Rachamim Ben Rosa Chaya Bat Tova, ainsi que le Refouat Rafael Zevolun Ben Chaim Aliyah, les Rematrasidad Oven Yudit et Sarah Bat Betir Rivka Betor Chakou Israël. Nous souhaitons aussi de Dieu une prochaine étude de Misha Kotek, la sacrée éternelle. Nous étudions le Sechet Bechorot, Père Gimel, Mishla Gimel. Rabbi Yossi Ben Meshulam Omer, Ashochet, Ota Bechor, Ose Makom, Makofitz, Mikan, Omikan. ותולש השיער, ובלבד שלא יזיזנו ממקומו, וכן התולש את השיער לראות מקום המום. Rien interdit de la Torah avec le Bechor. On va faire un petit peu d'ordre. D'abord, on va aborder à présent l'interdit de Giza, de tondre le Bechor. Donc on va un petit peu rappeler ce qui se passe. Quand on a le Bechor, il est kadosh, pour le moment. Le Bechor, le premier-né des bovins, ovins, et même de l'âne, il a une gdusha. On n'a pas le droit de travailler avec lui, premièrement, mais même mieux que ça, on n'a pas le droit non plus de le tondre pour utiliser ses poils. Maintenant, à l'époque du Beth Amikdash, le Bechor, il fallait l'amener en korban qu'on donnait au Kohanim. À notre époque, on ne peut plus en faire un korban, on ne peut plus en faire un sacrifice, donc qu'est-ce qu'on fait? On attend que le Bechor va grandir, qu'il va avoir, à force de se promener, il va avoir un défaut. Il va s'érafler l'oreille, s'érafler un moum qui va le rendre invalide à devenir un corban au Beth Amikdash. Puisqu'il ne va plus être un corban au Beth Amikdash, alors on va pouvoir le donner aux Kohanim et les Kohanim devront l'égorger et le manger à consommation personnelle. Mais ils n'auront toujours pas le droit de travailler avec lui, ni même de le tondre. Vous imaginez des fois qu'il va attendre 2-3 ans pour pouvoir avoir un défaut conséquent dans le Bechor. Vous imaginez la touffe de poils qu'il va avoir, ce Bechor. Il va commencer année sur année, il va garder tous ses poils, on ne va pas pouvoir l'alléger. Et voilà. D'accord? C'est le Bechor. Maintenant, comme on a dit, il y a un interdit de le tondre. Le but de notre Mishnah est de nous donner quelques exceptions à la règle. Quelques exceptions à la règle où on va avoir le droit d'arracher un petit peu de ses poils. Et deux raisons évoquées. On traduit tout de suite et on expliquera ensuite un petit peu les secrets qui se cachent entre les mots de la Mishnah. Pour le moment, on traduit, c'est simple. Rabbi Yossi ben Meshulam Omer, Rabbi Yossi ben Meshulam enseigne, Ashochet et Abechor, celui qui fait la shrita en Bechor, il a déjà eu le défaut comme il fallait, donc on égorge. Eh bien, Ose Makom Bakofitz Mikan Mikan, il fait la place pour laisser la hache, c'est-à-dire le couteau avec lequel, le Kofitz, c'est le gros couteau qu'il a, le boucher avec lequel il fracasse la viande, ça peut même couper des os, il met un gros coup sévère, et voilà, ça c'est un Kofitz, c'est une sorte de hache, de hachette. Donc, et là, on parle qu'il va faire la shrita avec ce couteau. Et donc, il fait la place pour cette petite hachette. Mikan ou Mikan, de là et de là. Il explique. Il va lui faire la raie au milieu pour bien savoir où trancher le cou. D'accord? Comme il a plein de poils, le Bechor. On ne l'a pas tondu depuis qu'il est né. Donc, il a plein de poils. Eh bien, il fait la place. Il lui fait une belle raie. Et puis, même aussi, Vetolesh à Sehar, il pourra arracher le Sehar, les poils. Ou bilvad shelo yazizenu mimkomo, mais à une seule condition, c'est qu'une fois qu'il a arraché, qu'il a posé, il ne le bouge plus, il le laisse par terre. La raison est très simple, il y a un interdit de tondre le Bechor, de le tondre avec un ustensile. Maintenant, arracher les poils à la main, ce n'est interdit que midrabanan. Ce n'est plus interdit par la Torah. L'interdit de la Torah, c'est le tigoz, c'est faire une vraie giza. Donc, en théorie, c'est interdit que midrabanan. Pour la nécessité de la shrita, on te permet d'arracher pour pouvoir passer aisément le couteau. Mais à condition que tu montres à tout le monde qu'ensuite tu n'as aucune intention de faire quelque chose de ces poils. Tu l'as arraché mais tu l'as posé par terre. Là tu nous as montré que tu n'as aucun intérêt pour ces poils. Alors dans ce cas-là, on t'a permis d'arracher selon la nécessité de l'égorger. D'accord? Maintenant, on continue. Vechen atolash et aser, encore autre cas de figure. Atolash et aser, lirot, mekom hamoum. Même principe pour celui qui va arracher des poils pour laisser la place de voir le moum. C'est-à-dire, on a évoqué que le Bechor, on doit attendre qu'il va avoir un défaut pour ensuite le montrer au Kohen. On évoquera ensuite plus de détails sur ça, que quelqu'un vient et que regarde et que certifie que c'est un défaut qui est invalide au Beth Amikdash. On ne pourra plus en faire la korban. Pour pouvoir le voir, maintenant vous imaginez bien, une touffe de poils, on ne réussit pas à bien voir qu'il a une fissure importante dans le ventre ou peu importe. Donc là, pour ça, la Torah nous a permis même de lui arracher les poils, toujours selon le même principe. Chachamim nous a permis d'arracher les poils, toujours selon le même principe, avec les mains. Et aussi, tu ne touches plus les poils une fois qu'ils ont été arrachés. Voilà pour le principe général de la Mishnah. Deux remarques très importantes. D'abord, une petite remarque très sympathique. On a dit qu'il allait faire la shrita avec une hachette. C'est quoi cette histoire bizarre?
C'est vrai que techniquement, c'est cachère, on peut faire, si c'est bien déguisé. Mais pourquoi prendre un cas bizarre? On fait une lâcherie avec un couteau d'habitude. C'est quoi cette histoire de prendre une hachette? Ouais, c'est étonnant. Alors, le sociopathe rapporte une explication très simple. Que, justement, un couteau, le couteau de Shrita en général, il est très fin et très bien aiguisé. Et on n'a pas besoin de lui faire de la place. D'accord? Il passe très facilement, vous allez faire le gros milieu, vous allez avoir la place pour le passer. Le Kofit, ça a la différence, le gros couteau. Il a besoin de plus de place pour passer. Il a Mishnah même, on sait, tu sais, bien qu'il y ait un interdit en général d'arracher les poils, et que si tu prenais un couteau normal, tu n'aurais aucune nécessité d'arracher les poils. Si toutefois ça te prend de vouloir faire la chute avec le Kofit, c'est tout ce que tu as sous la main et tu n'as pas envie de te casser la tête, et bien je te permets d'arracher des poils malgré le fait que tu le fais pour ta commodité uniquement, pour que ce soit facilement réalisable, tu n'as pas envie de te fatiguer à aller chercher un autre couteau. Malgré tout, tu as le droit de le faire puisque. Tu ne le fais pas dans l'intention de tondre, mais tu le fais avec les mains et que tu laisses les poils poser sur terre, par terre tout de suite après. Ça, c'était un. Deuxième point aussi, le fait que la Mishnah a utilisé Tolesh Sehar, elle arrache les poils. Alors, en hébreu, la Torah a utilisé l'otigoz, le Bechor Tzonecha, les Bechor, les premiers-nés de ton Tzon, de ton menu bétail, de tes moutons en l'occurrence. Tu ne les tonderas pas. On tond des moutons, et les moutons, ils ont de la laine, ils ont du tsemer, ils n'ont pas des poils. D'accord? D'où tout le monde remarque, tout le monde constate la difficulté. Pourquoi tu parles de poils? Tosotium Tov, Tiferet Israël. Et il explique que Tosotium Tov a une réponse très simple. C'est qu'en fait, si on s'en tenait qu'à la Torah, on aurait pu croire que c'est uniquement l'interdit de couper les poils, de tondre. On peut croire que ça concerne que celui qu'on a l'habitude de tondre, en l'occurrence le mouton. Mais arracher un petit poil de vache, des poils de vache, d'un veau, peu importe, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas d'interdit en cela. Pourquoi? Parce que c'est pas l'habitude de le faire. Ça, l'habitude de le faire, c'est uniquement avec les moutons. Donc la Torah a donné un interdit de le faire avec le mouton, mais avec tous les autres, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas d'interdit explicite. C'est quelque chose de bizarre. Eh bien, la Mishnah a utilisé le mot justement Tolesh Sehar pour te dire, sache que je ne te parle pas uniquement de moutons, mais je te parle en fait de toutes les espèces, quels que soient les poils qu'il y aura, tu as un interdit en théorie de les arracher, et là, une dérogation spéciale pour pouvoir les faire la shrita, comme ce qu'on a expliqué. C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.